Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfan pour un nouvel épisode de Stellaris avec Boobies. Donc là on vient de parler un peu de stratégie, on vient de se boucler un peu les neurones, ça y est, on est chaud, on n'en peut plus. On va lui rouler dessus parce qu'à un moment donné, sauf si le jeu lui a donné crédit infini, et dans ce cas là je détesterai le jeu, sinon ça devrait bien se passer. Voilà, officiellement. Donc, écoute, roulez jeunesse, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors, juste au passage, deux petites choses. Premièrement, j'ai... alors ça, c'est pour ma commu, hein, que ça va bas, hein, tout ça, que deux fois. Donc, j'ai un nouveau micro, vous me direz ce que vous pensez du volume, etc. S'il faut que je le change un petit peu. Et autre chose, je suis embêté avec Steam qui à première vue n'utilise aucun réseau dès que je suis en ligne, ce qui fait que j'ai toujours un retard considérable. Tu verras, toi, je sais pas si t'as vu déjà certaines des vidéos, Boobies, mais tu verras que, en fait, même quand je te dis stop, il y a un décalage monstrueux. Mais genre monstrueux, genre 10-20 secondes. Ah oui, c'est beaucoup ça. 10-20 secondes quand t'es en pleine bataille, ça fait tellement la différence que... Et j'ai l'impression que le jeu du coup me croque même les 10 dernières secondes. Parce que d'un seul coup, tu t'as presque un peu comme une actualisation de « Attends, t'es en train de se battre » et d'un coup, t'existes plus quoi. T'es plus là. Ah ! Donc c'est un petit peu embêtant. Donc si jamais vous savez pourquoi, n'hésitez pas à m'en parler. Donc sinon, vas-y, go. Bon. On va laisser peser. Donc on crée de la troupe Aziris. On croit à mort. Ouais. On croit à mort. Je m'entends rapide. Corvette. En plus, j'ai pris que des petites corvettes, donc là, ça va vite. Et puis, je ferai fusionner les autres avec ma flotte. Là, il y a combien ici? Il y a 6K9 de l'Empire Klingon à Dungar. Ouais. Ça tiendra. Ça tiendra grave. Construction complete. À Dungar, ça tiendra grave. Ok, je. J'ai tout ce qu'il me faut, donc c'est bon. Hostile fleet. Ah, tiens, okay. Bah voilà, tu peux leur casser la bouche, par exemple. À ces touristes. Lui. Spaceport under attack. Il meurt. Mon Spaceport est under attack? Incroyable! Ils ont osé faire ça! Je sais pas si tu vois, mais il y a une nombre de missiles assez. J'ai pas vu tous les missiles, j'en vois un. Ah oui, si, d'accord, si! Ouais, je vois ça, voilà, c'est en train de se décrocher. Au début, bon. Je me suis dit, tiens, c'est des vaisseaux. Non, en fait! Fais la taille de tes vaisseaux, mais. Voilà, c'est bon. Ah, c'était bien le jeu vidéo, hein! C'était assez. Ouais, il s'est fait un peu rouler dessus, hein, je crois. Je crois qu'il est déjà en train de dépop en fait. C'est ça. Alors je ne sais pas si c'est Vexo qui explose ou si c'est lui qui se TP. Il fait un coup de jeu bas en retraite, mais non, ouais, non, c'est ça. Bon. Très jolie sauce, monsieur. Hein. Bravo. C'était très beau. Ouais, là, il... Leader décédé. J'ai un scientifique qui est mort. Lol. Quoi? Yo, attendez. Deux secondes. Vite, faut que je me trouve à. Vaisseau scientifique. Ah, ils ont détruit mon vaisseau scientifique. Non, c'était si précieux. C'était tellement précieux. Oh, attendez, faut que je crée un vaisseau scientifique. Je sais plus. 194 flotte de transport de puissance de 27. J'ai trop de planètes, je suis paumé. Hein. Au secours. Ah, mais c'est son arme qui se fait rouler dessus. C'est où ça? C'est dans quel secteur? On est chez qui là? Paravac Prime, c'est où? Ah non, c'est loin. Ça c'est plus près, mais je veux pas celle-là. Celle-là aussi. Ah voilà, mais c'est ça, c'était bien celle-là que je voulais. Ok. Important que je te dise, au-dessus de Pagol, plus haut t'as Guram. Ok. Alors attends deux secondes, je me mets dessus, deux secondes. T'as Guram, oui. Et là il a une station, ok. Donc tu peux regarder sur son armée, qui est en train de se régénérer. Ouais, ils sont en 2002. C'est-à-dire ouais. Qu'il a un assemblage là-bas. D'accord. Faut qu'on lui pète ça, pour qu'il aille plus loin, se faire assembler. Je pense qu'Alphekine en... même pas, je crois même pas qu'Alphekine en a une. C'est-à-dire qu'il doit au moins aller jusqu'à Ribelon Vortex. Eh bien messieurs, mes troupes s'envolent sur Pagol si ça t'intéresse. Ok, je... Ah, et ces troupes se dégagent de Pagol, donc tu vas pouvoir tracer tout droit. Résultat okay, des courses. Je te suis. Hein, ah oui, il restait plus qu'un mec à 271, ouais, il y avait un mec qui était là pour le principe d'être là, quoi. Donc tu vois, tu vas pouvoir tracer... Bah attends du coup que j'arrive sur place et que je prenne la station du coup, vu qu'il y a personne. Laisse-moi prendre la station tranquillement. T'es parti en avance, non? Je sais pas, vu que mes gars venaient de se TP, j'ai pas vu. Non, je suis avant toi. Alors, ils sont en train de reconstituer leur flotte, voilà, c'est ça. Ils sont en train d'assembler une flotte à 2271, elle est quasi réparée. Elle va essayer de sauter sur Pagol. Mais même là, je la casse. Hein. Même là, je la pète. La première, elle est revenue? Elle est où? Ah, elle est Aziris. GG. Construction complete. Elle est en train de se faire réparer. En bord de système, ton armée est arrivée.
Je te laisse péter tout ça. D'accord. Ok, bah, on va vous laisser là. Ok. La première. 56 corbettes. Il y a eu tellement de batailles ici, c'est terrible. Ouais, là, ah, mon scientifique, dès qu'il va arriver, ça va être la teuf pour lui. D'ailleurs, faut que je nomme un nouveau Scientos, recruter un touriste. Hostile station. Okay, j'ai mon armée de 1300. Armée terrestre. Il a combien de... Ah, il a 513 quand même. Hein. 513 défense, quoi, hein. Défense sur la planète. Donc je commence à poser mes troupes dessus. Si tu veux, sinon tu me laisses bombarder tranquillement. Hein. Non, ça ira. Bah, ça lui fait de l'usure de guerre, hein, la bombarde. Hein. Il aime pas très très beaucoup ça. Hein. On m'attaque à skip. Bon, si tu veux déjà prendre peut-être 17k pour aller casser le cul de ces 27 de puissance militaire qui se promènent. Ah, c'est la station qui me tire dessus. Bah, c'est l'armée terrestre. Les 27. Ok, t'as pris le secteur ? Pas encore, ça arrive, ça arrive. C'est les derniers points de vie de la station, ça arrive. Je pose mon armée sur sa planète. Voilà, c'est pris. C'est pris officiellement. Je te laisse aller sur Pouillot. Hein. Sur quoi? Pouillot au-dessus. Ah Pouillot, pour l'instant j'y vais pas, je vais assiéger sa station pour l'instant. Ah, tu veux que j'aille directement jusqu'à Guram? Bah si on peut essayer de le renforcer. Si je fais blocus Alpha, ah, okay. Non, passer. je suis d'accord, vas-y. Vas-y, je pousse. On pousse ensemble, de toute façon ça va le faire à ce niveau-là. Là, hein. J'ai commencé à poser mes armées sur la planète. Ok. Je vais lui faire max dégâts. J'ai 4 généraux dans cette armée. Faut juste que je surveille bien pour pas prendre la planète. Ok. Et pour vous là, la deuxième garde là, ça se passe comment de l'autre côté là? Ce petit bombardement de planète, ça se passe comment? Ça y va tranquille hein. Ça pas trop vite hein. Cette flotte de transport pour l'instant d'avance. C'est pas encore bon. Au cas où, on va checker la première avant-garde. Voilà. Première avant-garde, comment ça se passe. Plus personne au sol. Elle vit ses derniers instants quoi. C'est bien, c'est joli. Faudrait pas que je les pousse trop vite en fait. Sinon je peux pas battre en retraite. Ah non, mais ça monte. De toute façon, moi, la première flotte va sauter. Ouais, c'est bon, moi je suis en train de surveiller la planète là pour pas que la prenne trop vite. Et hop, on y est. Ils ont pas de général, mais ils se défendent bien. Donc, forcément, ça bat en retraite, hein, puisqu'il y a, rien d'autre à faire. Là, faut qu'on prenne Guram. Hop, je laisse mon armée derrière. Ah, ouais, c'est en train. De toute façon, le temps que t'arrives. Ah, quoi que le temps que t'arrives. Ah mais non, mais je me gourde... Si non, je me gourde pas de trucs. Ah, petite plateforme de défense hein, quand même. Hein. Il y a de la défense. Première garde spatiale, Klingon. Oui. Flotte neutre. Ah oui, non, c'est... Ok, non, j'ai... C'est moi. Tu sais, Klingon, c'est moi, en fait. Ah ouais, non, c'est pas ça que... Alors, attends. Ok, j'ai press rect la planète. Je laisse en normal pour surveiller. Pas de problème. Moi je vois qu'ils ont quand même réussi à me détruire un destroyer, cette histoire en fait. Hein. Petite base de défense en fait, c'est un DPS quand même très élevé. Hein. Tac. Alors il a pas d'armée à Alveka, c'est le moment d'attaquer. Il faut aller sur Guram et détruire cette station. Surtout qu'il a pas de planète dans ce système. Donc on va sur Guram, c'est ça hein? Je vais sur Guram. Ouais. Allez, je vais sur Guram, c'est parti. Par contre, le gars a 400 de puissance en flotte militaire, quoi. C'est wow, en flotte en armée terrestre, quoi. Tu fais waouh! Ah, le mec il veut faire la guerre, quoi. J'en ai toujours que 3. On est où ton armée terrestre? Bah, à première vue, ils sont toujours que 3. Hein. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce que ça branle ici? Elle est où la planète qui les produit? Ah non, c'est de. Mais non, c'est pas possible.
ça serait pas un résidu de mes forces armées d'avant. C'est étrange. Sur qui j'ai produit ça? Il y a trop de trucs, j'ai déjà perdu. Au secours. Au secours. Ok, je nique encore une unité et je bug de la planète. C'est pas là. Okay. Voilà. Bah c'est là. Et donc, c'est sur quelle planète ça? C'est ici. Ok. Et on est très loin des... Et les trois, hein, ils sont où? Ok, d'accord, ils sont là. Ok. Ok, je m'en retraite. Tac. Tac. Ça c'est fait. Je vais... Mon armée terrestre... Bon, j'ai plus que 800 d'armée, hein, ça m'a fait mal. Mais par contre, regarde, sa planète, elle est bien dans le mal. La planète qu'on a pris à Pagol. La puissance de garnison dans les recherches, du coup, malheureusement, je ne vois pas de quoi tu me parles. Désolé. Hop. Tu disais, qu'est-ce qui est mal? La planète qui est dans ton... le système Pagol. Ah, elle est pas fraîche. Tu l'as démolie. Je l'ai démolie, même si j'ai pris tarif. Hein. Ah oui, oui, tu l'as troussé, quoi. Ah, j'avoue, tu l'as défoncé. J'ai perdu pas mal dans l'histoire, mais... Du coup, j'ai le premier expéditionnaire qui est là, qui va venir ici, en force d'oppression, tranquille, là-dessus. Allez. T'as combien d'armées, là? 86. Faut que tu crées des troupes. Sur quoi? Sur ma flotte principale, tu veux dire? Tes troupes terrestres. Hein. Ah bah oui, c'est en cours. C'est en cours. Du coup, vous tirez sur la station, je suppose. Oui, c'est ça. Ils sont en train de tirer sur une station. Il me met quand même un beau tarif avec ces stations. C'est pas grave. Tant qu'elle tombe, c'est bon. Mais est-ce que je... Non, là je surveille ton bac. Ah oui, là par contre je vais être bloqué à partir d'ici. À partir d'ici, sache que ma flotte ne peut plus faire demi-tour puisqu'il a un truc qui m'empêche de réutiliser la même hyperligne. Pas si tu prends la station normalement. Sur sa planète, regarde sur sa planète. Il y en a un autre, inhibiteur PRL. Donc en fait ça va se passer comme pour Duengar. À Duengar, ma flotte elle est bloquée, elle peut plus faire demi-tour. Même s'il met l'inhibiteur PRL, mais je suis bloqué. Je t'envoie ma flotte, hein. Mais... Bah elle envoie pas sur Guram justement, du coup. Tant pis, prends Alpheka, hein, mais moi je suis bloqué. Ah, terrestre. Je veux dire, avec le peu qui reste à Pro, j'ai presque envie de prendre les trois derniers gus là, les trois gus que j'ai déjà prêts là. Si tu peux avoir une armée terrestre de 500, ce serait déjà bien, je pense. Ok, donc t'as pris Guram. Pas mes unités, il avance, il me les fait mes unités. Ah oui, on est en vitesse normale. Ah ouais, non, c'est parce qu'on est en vitesse normale, donc on en a pour 1000 ans. On en a pour. Là, t'as pris Guram. Ok, t'as pris Guram. C'est pris, ouais. Tu fonces sur Alpheka, direct. Je ne peux pas foncer sur Alpheka. Ah merde, faut s'occuper de la planète avant. Je suis bloqué, ouais. Faut s'occuper de la planète. Et donc, autant te dire que je suis bloqué, quoi. Hein. Bah, on va s'occuper de la planète, alors je vais te poser mes troupes dessus. Je vais déjà rentrer dans l'orbite. Il a combien d'armées, là? Après, vu que j'ai repris 900. 900, il a de troupes. Il a de la troupe, hein. Moi j'ai un peu plus, j'ai 950. Il reste combien? Oh, il reste 1 milliard de types au sol ici. J'arrive là avec mon armée. Parce que sinon j'étais en train de réfléchir, je peux déplacer mes troupes de Duengar en fait. Pour les envoyer à Alpheka. Parce qu'il y a 6009 de puissance, il y a encore plus que sur la première. Faut que j'arrive à... Si j'arrive à prendre la... Ah mais non, mais je peux pas prendre la planète, t'as pas d'armée terrestre, putain. Bah non, j'ai pas d'armée terrestre du coup. Bah ouais, prends ton armée, ouais, de Duengar, ouais, carrément. Soit on se dit, voilà, soit on se dit, on le rush pour prendre un maximum de secteurs et tant pis pour les planètes. Et on les prendra sur le traité de paix. Et dans ces cas-là, je prends les troupes de Duengar et je fonce sur Alpheka. Ouais, fais ça, prends Duengar et fonce sur Alpheka. Attends, il y a des troupes qui arrivent sur Seventy. Seventy, c'est l'Empire. Il y a des troupes de... Il y a des troopers de Seventy là qui sont là. À Pagol, ouais, j'ai vu. Ah oui, mais ils peuvent rien faire à Pagol. Non, ils sont en défense. Ah, mais ils reconstruisent des armées, hein. Pagol.
Il reconstruit très vite de l'armée. Ouais, celle-là de Dwingar, tu l'as fait foncer à Elbiri et Alfeka. Elle peut pas passer à Elbiri. Parce que je suis déjà passé à Elbiri et le truc c'est que c'est le PRL qui est bloqué. Ah si ? Ah bah si, je peux. Ah si, tu peux. Eh bah je peux. Eh bah ça y va. Dans 48 ans, puisque rien que le temps qu'un ordre soit enregistré, j'en ai pour 1000 ans et un jour. Je mets en vitesse rapide. Ouais, vas-y, hein, parce que de toute façon mes armées n'arrivent pas. Donc, Ok, t'as baissé un peu la puissance. Ah, je suis à 4 unités. Est-ce que je débarque ou pas ? Est-ce que je débarque ? J'hésite presque à même faire encore des unités à C20 là. C20, y a une planète là ? Oui, c'est Horos. Un Horos, par exemple. Horos, tu nous ferais pas. Voilà. Quelques dizaines de mecs là, vite fait. Farm. Farm les unités terrestres, hein, c'est ce qui te manque le plus. Donc toi, tu prends là, et dès que tu passes sur Alfeka. Et que tu prends Alfeka, moi je fais blocus à Alfeka. Juste simplement je fais ça. Et toi tu viens par derrière avec ton armée terrestre qui est en construction et tu Bah je pense que je vais aller directement jusqu'à Baxom. Hein. J'ai 6009, quasiment 7000, 7k de puissance. Rebuild Vortex, tu l'as. Research complete. Tu l'as. Bah je la prends. Enfin, je revendiquais. Oh oui, j'ai tout revendiqué. Bah alors ouais. Ok, bah alors. Ah, réduction sur le coût des flottes. Youpi. Et. Emplacement d'atout, on a dit né dans le vide. Né dans le vide. Oui. Ça y est, monsieur, j'ai les habitats officiels. Nouvelle recherche. Des lanceurs de plasma, des inhibiteurs PRL, des lasers gamma, des conneries dans tous les sens. Fais-moi cette merde, hein. Fais pas chier. Construction. Ah, que c'est un nouvel atout de l'ascension. Ah, bouclier avancé. Non, j'aime bien bouclier avancé plutôt. Oui, ça y est, je l'ai pris. Je l'ai pris. Sauf que j'ai un délai de réponse d'un mec qui a pas de connexion, donc c'est quand même cool. Hein. C'est vraiment le big fun. Alors, qu'est-ce que je vais prendre moi comme atout de l'ascension ? Qu'est-ce que je vais prendre comme atout de l'ascension ? Qu'est-ce que... Pourquoi il m'a ouvert ça ? Mais ce jeu fume du shit. Ce jeu fume du très très mauvais shit. Incroyable. Les os scientifiques. Ah, c'était peut-être pour m'indiquer les... Research complete. Ok, 1 milliard de nouvelles recherches, d'accord, très bien. Pourquoi tu me dis qu'il y a une nouvelle recherche là arrête tes conneries, c'est pas vrai, il n'y a pas de recherche à faire. Le mec, il me dit de la merde. Ah, d'accord, non, ok. Ah, ça doit être grâce à mon vaisseau scientifique ou ce genre de conneries. J'ai des espèces de recherches qui se bouclent toutes seules, visiblement. Ou alors ça doit être grâce à notre accord de recherche que nous avons en commun. Je ne sais. Je ne saurais te dire. Il a beaucoup d'armées terrestres, hein, par contre. Et tu vas t'améliorer sur place ou tu vas bouger ailleurs? Juste pour savoir. Faut qu'il aille sur un truc d'assemblage. Ah ouais, mauvaise idée. Par là. Tu vas là. Tu vas là, bonhomme. Mais un Guram, t'as une station d'assemblage. Quoi? Waouh. Annule. Annule ton move. C'est quoi ce move? Qu'est-ce que c'est que ce move? Il a un inhibiteur qui m'empêche de sauter là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? Si je veux que t'ailles à Rebellion Vortex. Ah, je peux pas sauter! Depuis Alfeka. Je peux pas sauter sur leur planète de ces morts. Debris analyzed. C'est bon en fait. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le vaisseau scientifique qui fait des bonus de recherche. Je ne peux pas sauter sur leur foutu merdier. Donc, première chose, c'est que je vais quand même aller faire réparer ma flotte. Et lui à Pagol, non, lui à Pagol, il bombarde. Hein. Y a pas à discuter. Lui aussi, là, il bombarde.
Ah mais t'es en train de décharger tes troupes ou... Ah non, tu décharges pas tes troupes, ok. Ok, ok. J'attends qu'il y ait une armée, sinon il va se, il va se créer. Usure de guerre, genre je suis à 62%, c'est quoi ces conneries? Pourquoi le jeu considère que je surdouille là? Lassitude de guerre. Ta spatiale 35%. Je comprends pas tout là. Il y a certaines choses qui sont pas claires pour moi. Tout n'est pas clair. La horde commence à faire mal. Debris analyzed. Research complete. Ok, j'ai fait blocus à Alpheka déjà. T'es secure là-bas. S'ils passent le... S'ils passent par là, rip à eux. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il envoie une armée de 7000. Et je l'attends. Hop là. Et le mec a attendu que je bouge pour aller te chercher. Du coup, j'ai presque envie, du coup, avec ma flotte, là, ma deuxième petite flotte, vu que je peux pas aller à Ribellan portail machin, là. Je me demande si... quoi, flotte aussi détectée. Oui, oui, je suis en train de la... Ah oui, parce que du coup, ça se bat là où j'ai mon avant-poste, c'est pour ça qu'il me dit... Il a une armée de 7000, une armée 400 qui arrive. Bon, l'armée 400, elle a pas tellement fait. L'armée 7000 vient de là. Instantanément sur place, quoi. Voilà, l'armée de 7000 elle est neutralisée. C'est ça. Du coup, moi je pense que je vais aller à Rotanef, du coup. Du coup, je vais passer par-dessous. Construction complete. Ouais, prends déjà les planètes surtout. Hein. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Je te rappelle que je pouvais pas sauter à Ribellan Vortex. Donc là, je suis en train de le contourner. Je passe par le sud. Ok. C'est mon armée qui a assez vente là. T'es tranquille. Hein. Avec un cassette. Ah, mais attendez, attends. Non, annulez ce que vous faites, les gars, vous avez pas fini de vous améliorer. Améliorer vos vaisseaux. Je peux voir tes revendications quand je clique sur toi. Ok. Ouais, d'ailleurs, tu sais quoi, ça fait longtemps que j'ai pas revendiqué quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais te péta? Alors, parlons peu, mais parlons bien. J'aime beaucoup ce secteur. Je trouve qu'il y a beaucoup de cailloux. C'est très enrichissant. J'aime l'argent, ce que je vous l'ai déjà dit. Ça coûte cher de revendiquer, mais je revendique. Toujours plus de revendications. Je vois ce qu'il revendique. Donc il refait son armée, hein, mais je la poutrerai quand même. Par contre, tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'en termes de lassitude de guerre, ce qui est pas bien comptabilisé. Ah oui, mais c'est parce que t'as pas déclaré la guerre en même temps que moi en tant qu'allié. T'as déclaré la guerre de ton côté. Ouais, c'est pas une guerre commune. Et ouais, c'est pour ça que je me tape beaucoup de lassitude en fait. Pour ça, parce, si on fait parce que là, sinon, en fait, il serait en train de se faire écraser par la lassitude de guerre. Marché conclu, ouais. Je sais pas ce qu'il veut l'autre, mais. Debris analyzed. S'il veut. Réponse, si vous voulez, monsieur, foutez-moi la paix. Projet de recherche là, vas-y. Y'a rien que tu peux faire, toi, de toute façon, dans le secteur. Par toucher la noix. Tu peux rien faire, tu sers à rien. Proposition de traité de paix ouais, entre deux glandus, ok ouais, nice, parfait. Magnifique, on est trop content de le savoir. C'est le moment de piller nos... Ships upgraded. Attends, je récupère combien là si je fais ça? 15 000 minerais, si. 15 000 minerais. Je vais faire ça, 15 000 minerais. D'accord, ici on n'y est pas. Ok. Et ici on y est. Ah, ici on y est. Ça y est, c'est bon, j'ai amélioré ma flotte. Putain, elle est passée à 8,5 quoi. Lol. Ouf, ça c'était de l'amélioration. Allez, on passe par là, donc nous. Nous disions passons par ici. Et ouais, tous les autres sont occupés à se friter encore et encore. Donc on peut pas trop les bouger. Alors à première vue chez moi ils sont contents parce que c'est la guerre. Bon il y en a un qui est pas content. Alors ce qui est marrant c'est que j'en ai un qui est pas content. Genre Peaceful Progress Group, tu sais les mecs sont pour la paix, partage des sciences etc. Ils sont genre à 29%. Mais j'ai pas de malus.
expiration du décret. Cible de production promulguée, tout l'Empire est arrivé à expiration. D'accord, si vous voulez. Ah, cible de production, ça améliore de 20% ton minerai. Ah oui, moi j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. C'est-à-dire que sans là encore actuellement le traité commercial, ici normalement je perds 50 et ici je gagne 100. Ça va, je suis large. Je suis dans les grandes largeurs, monsieur. Debris analyzed. Oh, j'ai analysé des débris. GG, mec. Incroyable. Quel vaisseau scientifique incroyable. Oh, la guerre, ça m'a tellement rapporté. Ne serait-ce qu'en termes de science, là. Oh, je me suis gavé comme un sac. C'était terrible. Ah oui, alors il y a toutes mes stations à améliorer, là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi le problème? Pourquoi? C'est quoi? Flex d'ingénierie. Ah oui, vas-y, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Pas de problème. Bouffe sera toujours très très large, j'ai pas le souci. Pourquoi il y a personne là-dessus? Au secours? Ici, toi. Oui, prolongeons cet accord, toujours donne-moi toujours plus de je garde ton scientifique à vie chez moi. Que j'ai les moyens ou pas, on s'en fout. S'en fout de la bouffe, j'en ai. Ouverture des frontières. C'est venti, je me fais insulter. Ah, le Jean il me parle mal. Wesh. 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 Et il fait quoi lui avec sa flotte là ici? Tu rentres chez Tata? Debris analyzed. Ouais, intéressant. T'as une flotte de combien là? 286. 229. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ça, abaissez vos boucliers et abandonnez vos vaisseaux. Pourquoi ça l'a ouvert? Non mais je pense que c'est une erreur technique. C'est bon, il saute. 308, je pense que... Ouais. Presque une flotte de... T'as une flotte de 500 de puissance. Si tu cumules les deux, tu peux essayer de prendre la planète de Pagol, je pense. Tout en continuant de... Pagol. Ah, mes deux flottes, là. Si tu les regroupes, ouais. Mes deux trucs de combat... T'as la Tseven, tu l'as fait aller sur Carovion, tu les regroupes, tu mets un général bien sûr dans ton armée, et tu débarques sur Pagol, je pense que tu peux. C'est moi ou mes trop de balles, ils ont décidé de jamais bombarder? Et ça vous emmerderait de bombarder ce truc? Pourtant il y a destroyer et corvette, normalement vous bombardez ce genre de cible. Hostile fleet engaged. Pourquoi ils bombardent pas, mais bon. J'ai une cible en combat, oui. Ah, je suis donné perdant? Pardon? Non, c'est bon, t'inquiète. C'est toujours comme ça. Tu vas la mine. C'est à cause des plateformes, dès que tu vas en dégommer 2-3 des plateformes. Calcul de ce jeu en termes de voilà. Victoire est quand même très approximatif. Hein. Ouais, faut pas trop regarder à ça. Très bien. Moi, je ferai un croiseur qui a bouffé cher quand même. Hein. Qui est d'ailleurs le seul croiseur du groupe. Ah non. T'as plus que tes croiseurs. Bon, en même temps, je crois que j'avais quasi que des croiseurs. J'avais. Je te dis, je crois que j'avais quasi que ça, mais je crois que j'avais même que ça. Donc. C'est vrai que. Tu peux foncer un rayon de vortex, enchaîner, prendre Grey Kill et à Grey Kill. Construction complete. On va arriver Liad Vortex. Ouais, c'est ça. Complete. Ah, mais je suis obligé de passer par Grey Kill, quoi. Mais c'est quoi ce Liad Vortex? On peut pas aller en direct là. C'est très étrange. Complete. Hein. Ouais, je comprends pas trop tous les. C'est bizarre là, son système de PRL machin. Donc je vais d'abord prendre Grey Kill. Hein. Pas de problème. Construction complete. Alors, vaisseau scientifique d'abord. Tac, tic, tac, tic, tac, tac. Oh. Il y a une bataille par là. Il y a des gens qui sont tirés dessus à ce qui paraît. Projet de recherche dans le système, c'est parti.
C'est ouf. Il est ouf cette histoire de vortex là. Pareil, mon vaisseau scientifique, il est obligé de faire mes 15 tours quoi. Ouais. Mes troupes. En termes de troupes, j'avais 10 et 10. Construction. Ils sont tous embarqués, on est d'accord. 286. Faut que tu mettes. Mais un général. Hein. Général dégâts si tu peux. Entretien de l'armée, moins 20%. Provoqué par les armées, plus 10%. Dommages collatéraux des armées, plus 33%. On va prendre ça pour la première. Hein. Ça va être bien. Voilà. Et pour la deuxième. Mais. Écoutez. Un shield ou un shield. Ça sera un shield. Ok, non, ça c'est cool. Je vais prendre ce monsieur. Voilà, bravo. Et je voudrais prendre donc ces deux groupes-là. Je les envoie à Pagol ou à Dungar? À Dungar, il reste quoi? Pagol, envoie Pagol. 460. Oh là, oui, il a reconstitué de ouf. Envoie Pagol tranquillement. Ok. Dunga, si l'item fortress il a combien? 462. Ok. Ça m'étonne, les destroyers ne tirent pas sur les planètes? C'est moi ou c'est normal? Les destroyers ne tirent pas sur les planètes. Bah ouais, ils pilonnent pas là. Bah j'ai pas l'impression qu'ils pilonnent. Ton armée en haut là, Guam? Ah si, elle est écrite en train de pilonner. Ok, c'est juste que j'ai pas le visuel. D'accord. Et du coup, Pagol au sol. Ça bouge pas, il se passe rien quoi. Ok. Tu bon, y'a 4 pauvres mecs au sol, on va peut-être y arriver. T'as une armée de 3400 qui t'arrive là, sur Grey Kill. Ah ouais. Ok, alors voyons voir comment ça va se passer. Tu la règles hein. Bon, 12 croiseurs, il a pas. Ouais, je suis pas sûr. Alors, ils sont un peu endommagés tes croiseurs quand même. Ah ouais, y'a du dommage, mais chez lui aussi. Hein. Donc tu les attaques sinon ils passent à côté. Ouais, ouais. J'attends qu'ils finissent de passer. Ah ouais, non, mais il faut pas que j'attende, c'est vrai que. Non, attends, ils vont où? Ah non, ils vont pas. Je m'en fous, je tire dessus. Ils se baladent pas chez moi, là, c'est chez moi maintenant. Ils vont arriver là de Vortex. Ou je ne sais où. Mais non, ils y vont pas. Hein. Y'a pas de ça. Hein. Je les engage et puis c'est mort. Hein. Parce que bon, j'ai des croiseurs endommagés, mais lui, ses destroyers sont endommagés et il n'a que des destroyers et des corvettes. Hein. Donc voilà, merci. Ah, au revoir. Mais c'est l'armée que j'ai recte avant. Ah, c'est ça. Ouais, avec le même colonel. Ah, c'est ça. Même... Allez, salut bonhomme. On était content de t'avoir connu. Casse-toi et évite de péter un vaisseau parce que sinon je le vivrais mal. Ça me ferait chier de perdre un croiseur, ça coûte très cher à fabriquer. On n'aime pas fabriquer des vaisseaux, ça coûte cher. Putain, je peux pas te rejoindre. C'est bon, je les ai sortis par la peau du fion. Pas de problème. Il reste un vaisseau scientifique. Oh, allez, courez après son... Détruisez-moi ça, là. C'est pour le fun. Allez, les gars. Le vaisseau scientifique, c'est pour le fun. Ok. Non. Vous avez pas de fun au fond de vous? Si. Ah, ils ont quand même un peu d'humour. Faut que tu débarques les armées sur la planète, hein. Pas gueule. Alors, je suis avec son vaisseau scientifique et j'envoie mes mecs à Rivellan Vortex, s'ils veulent bien. Ils y vont. Parce que là, en lassitude de guerre, je suis quand même très très mal. Hein. C'est pas. Je le vis mal, visiblement. Là, bah, pas si tu lui prends. De, si tu le prends la fois que tu débarques tes troupes sur Pagol. Ah bah voilà, t'as l'arme. Fusionner, hein. Je peux pas, il y a deux officiers. Ah merde, ouais bah faites tout débarquer alors. Ouais, tu peux y aller. Mais normalement ils le font automatiquement à partir du moment que t'as fait un clic droit sur la planète, non? Non, ça va aller entrer en orbite, je crois. Seulement. Ils vont aller au-dessus de la planète, ils font son orbite. Égalitariste, y'a des gens qui sont devenus égalitaristes chez moi. C'est chiant. Nouvelle recherche. Porte-L ajoutée, on s'en fout de ta porte-L. Point de coque des destroyers, ça m'intéresse. Dégâts provoqués par les armées. Minéron pour 5%. Allez, on prend plus de caillasses. C'est bien plus surtout de caillasses. Surtout les dégâts provoqués par les armées.
Ah mais non, mais c'est... Non mais c'est... Ok, c'est encore un truc qui a été obtenu grâce à... Grâce à la science. Ouais, regarde là-bas, il y a de la recherche. Je vais de recherche dans le système, s'il te plaît. Alors c'est quoi l'histoire? C'est je suis en train de péter. Ah oui, ils utilisent une porte L ici, ou un truc comme ça, là, je sais pas. C'est quoi leur connerie? Ça m'étonnerait qu'ils l'ont déjà. Bah si, il y a une porte L à arriver là de Vortex. C'est écrit dessus. Ouais, mais elle est pas ouverte. Je sais pas, moi. Je sais pas comment ça marche, moi. Elle est pas ouverte. Tu vois, le signe est tout rouge, faut qu'il y ait un... qu'ils soient entourés en argent. D'accord. Ah ouais, ils m'ont... Oh, j'ai un croiseur qui fait la gueule. Vite, détruisez-moi cette base. Ah, ils m'ont poussé. Voilà. Peut compter sur personne. C'est la belle mentalité, bravo. Allez, okay. Retournez vous faire réparer, les cons. Est-ce que je peux... Est-ce qu'ils sont en train de débarquer, eux? De la faute, posez les armées et posez les armées, s'il vous plaît. Posez vos boules, dépêchez-vous. À Dungar, ils avaient une grosse armée. Hein. Ouais, c'est... ils avaient une armée de 400 à Dungar. Non, je sais pas, j'ai ça, posez mes armées. Ouais, je suis à 80. Ça m'énerve. Je suis à 80% d'usure de guerre de mes fesses sur la commode. Ça m'énerve. Mais attends de prendre de la planète. Ouais, tu veux bien te déplacer jusqu'à Grekil avec ta flotte, s'il te plaît? Parce que ouais, je vais me prendre une flotte de 1005, alors je vais pouvoir l'encaisser. Mais ouais, je vais pas pouvoir bombarder des planètes, et donc essayer de les prendre. Et gérer les connards qui viennent essayer de reprendre leur terre-terre. J'arrive, hein, je déplace. Ah, il est obligé de le faire le saut en deux fois. Mais il y a une hyperligne qui est pétée dans ce jeu, en fait. Il y a un souci. Mon armée est assez rapide quand même, j'ai des bons propulseurs. Continue à bombarder, hein, je m'en occupe. Invasion. Au moins une de nos armées participe à une invasion. Ah oui. Secured. Ah bah oui, mais bon, voilà, le problème c'est que c'est bien de participer à une invasion, mais il n'y a pas de troupes au sol. Comment on fait? Hein? C'est bizarre. Cette planète est à moi ou elle est pas à moi? Faut savoir. Faut savoir, on sait pas. Invasion terminée. D'accord. C'est bon, tu l'as pris la planète. Ok, très bien. Dans ces cas-là, je prends mes deux troupasses, là, enfin tout. Et il a battu en retraite, puis il m'a vu arriver. Bon, je fais station à Grekil. Et t'es bien, hein. Il a plus de défense, t'as juste à faire des terrestres et... Ouais, il faut que j'aille retaper quand même mes armées un peu, hein. Parce que là on est en PLS. Flotte aussi okay. Présente. Là elle est à toi, pas enfin, à toi à la fin de la guerre quoi. Ouais. Putain, en armée. Je me porte mal. 433. Ça m'étonne qu'il m'ait pété autant d'unités quoi. Genre il avait 4 pauvres défenseurs, il m'a pété autant d'unités. Ouais mais il est fort en défense, il a monté mais il est passé dans la suprématie pour faire plus de dégâts. Il suffit que c'est une espèce forte ou un truc comme ça. Et il a des bonus hein. Attention les armées c'est plus dur à détruire d'habitude que les flottes. Bon, il a pas de général, déjà il n'y a pas de bonus de général. T'as 433, ouais. Te prends pas la tête et continue à crafter des troupes tranquillement. Oui, d'ailleurs j'en crafte plus. Ça serait bien que j'en ressorte du coup. Comment en fait elles sont fragiles mes troupes. C'est bien d'avoir au sein, ouais. Nickel. Armée. Ou sinon, ah bah attends, tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire débarquer mes troupes sur Siltam Fortress. Sur quoi? Je vais péter la gueule. Bah là où t'as ton armée là. Où est-ce que j'ai descends mon armée de... Ah, Dwenger là? Ouais. Non, c'est ouais, là, Siltam Fortress, c'est sa planète. D'accord, ok. Je vais débarquer mes troupes, je bats en retrait. Et tu prends la planète. On va faire comme ça.
Et j'ai pas besoin d'aller réparer parce que j'ai débloqué une technologie qui permet de réparer. Nice, GG. Ah, limite de commandement de flotte plus 20. Nice. Test de développement des pop, nombre maximal de garnison, académie militaire, c'est ce dont tu parlais. Ouais, ça c'est très bien de le mettre par exemple sur des planètes. Bah, ah, j'augmente encore ma capacité de flotte. J'ai encore besoin de plus de flotte. Parce que le jour où les connards ils vont arriver, c'est des flottes qu'il faudra avoir. Pas trois tours. Ils vont arriver. Tu vois que déjà comment il s'estend la horde là. Il a le sexe l'estend, c'est ça. Ouais. C'est ça. Dans 25 mois, je débloque les cuirassés. Casser des têtes. Au niveau d'un avant-poste, les constructions et modèles vont alors réduire l'effet sur notre capacité. Ouais, c'était l'air. Oui, c'est ce que je veux. Oui, j'accepte de perdre une de mes bases. Pas de problème. Je rétrograde la base. Rizor, c'est où? Ah, c'est là. Mais du coup, je vais plus en avoir besoin non plus. Donc, tu vas être rétrogradé également pour libérer des emplacements de bases stellaires. Parce que je vais commencer à en avoir besoin. Donc, je sais pas, Pagol, ouais, c'est chez moi, hein, c'est mes troupes qui sont en train de se faire, surface, machin. Si tu vois, Pagol, c'est à toi. C'est à Pagol, quand tu regardes sa planète, il y a son symbole, mais à droite, tu vois qu'il y a le tien à droite. Surtout que je vois que c'est mes troupes qui sont en train de se repop au sol, en fait. C'est surtout ça que j'ai vu. Ah oui, puis il y a mon symbole planète occupée, ouais, en pire clingon. Nice. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok. Parfait. Très bien. Amazing. Le problème, c'est que ce connard ne voudra jamais négocier parce que la lassitude de guerre chez moi va toucher son maximum, quoi. Je ne sais pas comment ce jeu considère le fait que... Mais il est peut-être axé combat, hein. T'as des technologies de lassitude de guerre. Et il en a peut-être beaucoup. C'est peut-être pour ça que ça te met... Et toi, t'en as peut-être pas énormément. C'est-à-dire que la tienne va monter beaucoup plus vite que la tienne, malgré tes victoires. Tu vois? D'accord. En gros, c'est un peuple qui se rend pas facilement, quoi. Si tu veux, les Seventy. Est-ce que je tente de lui imposer mes buts de guerre? Non, non, continue à prendre des planètes. À Guram, t'as une planète à prendre encore? C'est... Que tu bombardes depuis avant, là? Ah oui, ah oui, parce que sinon j'aurais pas les planètes, je serais obligé de lui céder les secteurs où j'ai juste les avant-postes, c'est ça? T'auras pas le système. Ouais, c'est ça. Donc je suis obligé de lui céder, en fait, ses planètes. C'est ça. Donc à Guram, faut que tu prennes la planète encore. Donc là, je pose mes armées. Alors attends, avant d'aller à Guram, je pose mes armées sur le Siltram Fortress. Ouais, la forteresse. Ok. Je vais les retirer, tu prends la planète. Bon, à Guram, t'auras pas besoin de moi parce que ton bombardement a fait le taf. À Alpheka, t'as aussi une planète à prendre. Alpheka, t'as une planète à prendre. Rebellion, c'est bon. Et à Baxom, t'as une planète Donc là, tu poses tes armées, on est d'accord? Je pose mes armées dans à la forteresse là. En fait, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, voilà. Et je les retire avant de la prendre. Ok, de toute façon, là, je suis en train de demander à mes armées de se poser. Oh, bah, par contre, tu lui fais le cul. Hein. Oh, tu lui fais le cul. Bonjour, voilà les renforts. Faut juste que j'arrive à battre en retraite et ce sera le 22, donc je pourrais battre en retraite. Ok. En fait, ça prend un mois. Quand tu te poses, t'as un mois avant de battre en retraite. Tu peux pas battre en retraite sinon. D'accord. T'attends un mois. Ok, et pendant ce temps-là, le combat continue. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais battre en retraite parce que c'est moi qui a posé en premier, donc elle sera à moi, la planète. Il a eu le temps de construire une armée offensive, ce petit con. Ok. Il reste plus grand monde. Hein. Hop, fini la dernière. Paf, je m'entrais. Je m'entrais, ça va beaucoup trop vite. Ouais, c'est bon. Nice. C'est bon, ça passe. Voilà. Ok. Du coup, je ressors mes armées. Ok, très bien. Donc, je te suis. C'est quoi la planète suivante? Vas-y.
Vas-y, on... Merde, pourquoi elle est à moi, la planète? Quoi? Non, pardon. Ah ouais. Bah comment ça se fait? C'est pas toi qui l'as eu? Ah, c'est celui qui engage dans ces cas-là l'hostilité, c'est ça? Bah... Je sais pas. Ok, bon, c'est une erreur qu'on apprendra, du coup, donc tu vas les poser en premier. Sur le... Et là, si bon, je demande... c'est pas très grave. Ah, je peux pas poser les orbites, par exemple, je peux que rentrer, du coup, vu que c'est toi qui l'as. Je fais déplacer mes troupes à Guram. Ok, on va à Guram, c'est parti. Bon, Guram... Ah, petite pause, s'il te plaît. Soumission de la Midfell Allied Province. La Midfell Allied Province est soumise au Grand Khan. Elle est devenue une satrapie de la Just Khan. De la Just Khan. You see? This is the Just Khan Horde. Et ses flottes ont été démantelées. Si elle ne s'est pas officiellement rangée aux côtés des Just Khan dans leur tentative de conquérir l'ensemble de la galaxie, elle a permis de contribuer par ses ressources et du personnel militaire à alimenter la machine de guerre du Grand Khan. Sale bande de lâches. Alors là, en fait, ça pue du cul. Alors, on vous explique pourquoi ça pue du cul. Voilà. Voilà pourquoi ça pue du cul. Ça sent pas bon, là, cette affaire. Le mec est en gros en train de faire une alliance de son côté, où il vient de soumettre dans une seule et même force militaire un empire qui était relativement costaud, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'était un empire qui était costaud. Ouais. Et ça veut dire que toute son armée va passer sur la droite, à mon avis, ou en... Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que l'unifié de Corinthe, les tribus corinthiennes, vont tomber. Eux, ils vont tomber. Pareil, là, le micro-truc, ouais. Là, le Bentel Berserker, là. La petite trace jaune là, elle va dégager dans la seconde. Ça va être instant. Je me demande d'ailleurs si c'était pas un ancien secteur à lui, ça, par exemple. Je sais pas. Hein. C'est pas impossible. Enfin bref. Bon, on se suit. On va déjà finir celui-là. Après, et tu sais quoi? Tu connais le plus beau? Est-ce que quand même t'as conscience du plus beau dans l'histoire? Non. C'est que c'est moi qui vais me taper une frontière avec ce connard. Ah oui, je sais, ouais. Bah t'es déjà en frontière avec lui. Et ça c'est magnifique. Ça quelque part c'est totalement magique. Alors attends, j'ai un peu de points aussi, je vais aller refaire quelques revendications. Parce que je suis un mec qui revendique, je suis un mec sacom, tu vois moi. Revendique le... Attends, mais t'as revendiqué quoi? Je suis en train de revendiquer le Nord, voilà. Hop là. Ouais, le Nord. Il te coûtera pas cher en plus, le Nord, y'a pas de station. Enfin si, un petit peu quand même, parce que j'ai pas non plus énormément de pognon. Et en vrai, à cause de la lassitude de guerre là, vu que j'ai atteint les 90, je pense que c'est ce qui m'aluce un peu, on va dire. Ah tiens, il y a des projets en tout genre. Vas-y. Faire le projet de recherche dans ce système pour ce vaisseau-là. Formidable. Qui était à première vue déjà en train de faire un truc. Ah et non, il va reprendre le projet là où il était. Ok, donc on se suit avec nos armées. Je te suis pas là. Je te suis pas, j'ai pas besoin de te suivre, je t'attendrai à Alfeka. Regarde l'armée qu'il a. Guram, j'ai pas regardé ce qu'il avait. Non, à Karba. Il a 76 ouais, d'armée, il est encore en jeu. Moi je donne son. Ah oui, il a que des armées d'assaut en plus, c'est même pas des armées de défense. Ah oui. Donc je te laisse y aller au nord là. Ouais, il y a la flotte qui est en train de le poncer tranquillement, ça va bien se passer. Je fonce à Alfeka déjà. Il y a une plus grosse armée, ok. Et très je te bien. Laisserai en gueule. Très bien, très bien. Et du coup, bon bah voilà, on sera encore obligé de savoir que effectivement il y a cette planète. Il va falloir que je te déclare la guerre juste pour une planète. C'est moche. Je sais pas comment ça va se passer en fait, parce que en fait je sais pas si garde le construction système, complete. Parce que sa planète est conquise, mais par un autre que toi, mais t'as le système. Complete. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas du tout comment ça se passe. Construction ça coûte complete. Cher à réclamer ces conneries à l'autre. Construction complete. Si t'as des stations, si t'as plus elle est loin de tes frontières, plus s'il y a une planète. Plus ah j'avais pas revendiqué. Attends, j'avais pas revendiqué ce secteur là, donc je vais le revendiquer tout de suite. J'avais pas revendiqué Rotanef qui est en dessous de Baxam. Donc du coup je revendique quand même. Ah bah ça, oui. Ça serait dommage. Par contre t'as pas revendiqué El Biriri là. J'ai l'impression. Attends.
là où j'ai mes flottes de transport, je crois pas que tu l'as revendiqué, je le vois pas dans tes revendications. Grekil ? Elbiri. Non, j'avoue non. Ah d'ailleurs, ah c'est intéressant en fait de faire des revendications un peu après d'ailleurs. Parce que vu que celle-là, ouais, tu vois, elle est collée à ma frontière et entourée de trucs que j'ai pris, elle m'a coûté mais que dalle, 56 balles. On m'a dit tu me donnes 50 balles, c'est bon, c'est à toi. Bah y a rien déjà dans le truc, donc elle te coûtera pas cher en tous les cas. Ça c'est cool. Bon bah là j'ai réclamé jusqu'à ICAM, c'est réclamé. Hein. C'est assez énervé. Bon, je suis à 92% en lassitude de guerre. Putain, les Klingons qui étaient énervés au début en lassitude de guerre, c'est plus ça quoi. Guram, mes unités s'il vous plaît. Ils sont où? Ils sont là. Allez, vous posez les armées. Voilà. C'est parti. Let's go to fight. Oh bah y'a plus personne au sol. La blague carambar. Allez, voilà, touchez le sol. Touchez le sol, les petits potes. Planetary invasion. Voilà, c'est la Bibi officielle. C'est moi qui ai la planète. Voilà, c'est la Bibi officielle. Je vais abandonner la planète, genre. Je vais pas abandonner la planète, je sais pas. Si tu fais une paix, je pense. Ah ouais. Ouais, le problème c'est que si tu fais une paix, attends qu'on ait pris d'abord toutes ces autres planètes. Tu fais une paix avec lui, tu lui rends. Et après bah moi je lui attrape quoi. Je l'attrape par le cul. Et surtout bah tu fais en sorte que t'attendes que je puisse bombarder tranquillement la planète, je masse mes troupes autour, t'abandonnes la planète, tu lui rends, je lui tombe sur le coin de la gueule et on en parle plus. On va faire ça. Et on sait que maintenant si je veux t'aider dans une planète, tu poseras tes troupes avant. Oui. Par contre, maintenant, imaginons ton armée se fait détruire, que moi il reste des armées. Je sais pas aussi comment ça se passait dans un fight. Je sais pas trop comment ça se passe. Je pense que ce sera moi, logiquement. Je sais pas, franchement, je sais quoi pas comment ça se passe. Genre, imaginons on est en fight sur une planète. Oui. On se met 2-1. Imaginons ton armée se fait détruire. Et que c'est toi qui veux la planète, hein. On est d'accord que c'est toi qui gagne la planète. D'accord. Et que maintenant ton armée se fait détruire et qu'il reste plus que mon armée et la sienne, tu vois. Et que je finis le combat. Ah, il est fort probable que ça soit à moi. Ouais, je pense aussi. Il faudrait au moins qu'on ait une armée équitable, enfin équivalente. Non mais t'embêtes pas, de toute façon là. Ce qui va se passer là, c'est. Je vais où avec mes troupes là? Je vais à Alfeka, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je Tu l'as pris la planète avec mes unités. À Dengar, je l'ai prise. Alfeka, tu dois prendre et Boxom, tu dois prendre encore. Je déplace tout ce que j'ai. Bon, il a une grosse armée à Boxom, je sais pas si on va la prendre comme ça, hein. Un petit bombardement à mon avis. Ah bah ça va bombarder, hein. Ça va bombarder le temps qu'il faudra, mais ça va bombarder. Bah t'as déjà une armée dans le secteur de Boxom, là où il y a la planète, il a quand même une puissance de 1000 hein, son armée, hein. 1026, je pense que tu peux essayer de commencer le bombardement. Bah c'est déjà non. Incoming transmission. T'es dans le système. Ah, ils sont pas mis en train de bombarder, désolé, excusez-moi. Go bombarder. Ouais, tu bombardes, ça fera tant qu'on arrive. Quelques troupes en moins. Là, Alfeka, j'ai mes armées près de la planète. Il y a quelqu'un qui me demande des cailloux là. Du Yoxotot, là j'en ai. Pose combien? 7000 minéraux? Alors, oui, mais je suis au max. Tu peux faire pause s'il te plaît? Oui. J'ai AFK vite 30 secondes. Vas-y, pendant ce temps là, en fait, je vais aller claquer le pognon. Vas-y, à tout de suite. Alors justement il faut que je claque le pognon parce que comme vous avez pu le voir, j'ai trop de pognon et je ne peux plus, je dégueule de stuff quoi. C'est parti, on dépense pour les plateformes, parce que maintenant qu'on a moins d'entretien surtout, on va quand même bien mieux, hein. C'est quand même assez confort. Tous les autres là pour l'instant on peut pas les augmenter, ils sont scotchés sur place. Vous ici. Un truc que j'ai mis à l'autre bout de la galaxie. Ah non, c'est là qu'il faut que j'améliore. Tiens, des vaisseaux à canon, ça a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Non, c'est encore moins d'intérêt. Mets ça comme ça t'arrêteras de m'embêter.
Oui, je suis en train de sortir de la thune juste pour sortir de la thune. Clairement. Voilà. Ça, là-dessus, on n'est plus embêté. La Zippo, elle est où? La Zippo Vortex, elle est là. Ouais, parce que oui, là... Ouais. Est-ce que j'ai une flotte que je peux améliorer, là? Non, je crois. Oula, on est où? Ah, on n'est pas chez le bon mec. C'est ici le bon mec. J'ai aucune flotte que je peux améliorer pour l'instant, dans l'instant immédiat. Si ce n'est encore créer une autre flotte que... Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ziris. Je suis là. Re. Pardon pour cet AFK. Pas de soucis. La Alors, soif m'appelait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que 12, c'est quand même toujours mieux que 10. 1, 2, 3, 4, 5... Un peu plus, j'ai plus de thunes, ça y est. Alors, 5, j'ai plus de thunes. Du coup, j'accepte ton contrat, madame. On disait donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, voilà. Voilà, j'ai dépensé un peu de pognon. J'étais au max en cristal, j'étais très bien. J'étais très bien. Ah oui, je suis. Là, je gagne 191 par tour. Et j'ai plus le traité politique qui me permet, tu sais, d'augmenter en fait le décret politique qui me permet d'augmenter. Par contre, je gagne 50 toujours. Là, je suis à plus 191, mais je gagne 50 de la part du marchand. Donc j'étais très bien, et puis je viens de recevoir un autre traité commercial, donc que j'ai accepté. 7500 balles juste pour leur prêter un caillou que j'ai en triple exemplaire, ça me va très bien. Très bien, et bah écoute, tu peux te remettre en avance rapide par ici quand vous voulez. Ships upgraded. Bravo Paris. Alors ouais, là ça va être la succession des Ships augmentations. Upgraded. Voilà, c'est ça, c'est la grosse tâche. Ships croiseurs. Upgraded. Oui, il a une armée de 700. Bon, on le fait. Je suis une armée de 500, toi t'as une armée de 100, presque 600. Où ça? Tu poses tes troupes, bah là... Ah, Alfeka. Ouais. J'ai mes deux régiments, là. Research complete. J'y vais. Ships upgraded. Porter l'aide dès que t'as posé tes troupes. Ils veulent pas. Allô mes troupes, je voudrais que vous posiez là-dessus. Pourquoi vous... C'est bon, ils sont bons. Ah oui, d'accord, ils sont en mode pause auto, ok. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû les fusionner. Si t'as pas de généraux... Oui. Voilà. Fusionner les gars, poses. Parce que j'ai plus qu'un officier en fait sur les deux. Et non, pas entrer dans l'orbite, excusez-moi, poser les armées. Et dès que t'as posé, je te rejoins. Entrer dans l'orbite, je commence à venir. Ok. Je pose mon armée. Planetary invasion begun. Les renforts arrivent. Je sais même pas s'il y a vraiment besoin de renforts, en vrai. Mais ouais. ça bimera moins mes armées. Bah, pas besoin de renforts, il a quand même une 700 d'armée, hein. Bien content de... Enfin, c'est mieux. Ah oui, parce qu'en fait, oui, j'avais beaucoup de mecs, mais c'est vrai que je suis pas si fort que ça. C'est... Oh là, il est en train de meuler mes gars, quoi. Bah déjà, mon espèce est très forte. C'est-à-dire que... ils ont un bonus de plus... Combien? 40% de dégâts, je crois. Bah, il nous fait mal quand même, hein. Il est très bon en défense, hein. Regarde. Dommage des armées défensives, plus 33%. Dégâts provoqués par les armées, plus 30%. Santé des armées défensives, plus 25%. Oui, il y a des bombes en défense. En fait, il est bon en défense, mais pas en attaque. Mais en défense, c'est un monstre. Hein. En défense, c'est un monstre. Hein. Ah, parce qu'on prend tarif. Hein.
Ouais. Tu prends vraiment tarif. Bon, là, il commence à prendre cher. Ouais, il y a une armée qui a quasiment disparu. Construction complete. Il est chaud en défense. Hein. Il est vraiment très chaud. Mec, c'est des tranchées, sous des tranchées, sur des tranchées, des bunkers sur des bunkers, c'est des... Debris analyzed. Bon, ça c'est bien. Les derniers là, la dernière grenade. Si tu veux t'extraire d'ailleurs. Non, bah c'est bon normalement. Voilà. Enemy planet secured. Ouais, c'est bon, je l'ai. Nice. On a pris le tarif. Une attitude de guerre élevée. Incoming transmission. Proposition de paix. Alors, une petite pause. Tu vas pas prendre Boxam ? Une petite pause, s'il te plaît, voir ce qu'il me propose. Alors, il me donne. Regarde s'il te propose la planète. Alfeka, Pagol, Rotanef, il me donne. Et 5 autres encore. Bah ouais, mais 5 autres encore, c'est quoi ? Et attends, la Grèce, je lui donne Damux Frontier, Bodarkis Citadel. Hein ? Bargard's Landing. C'est quoi ces conneries ? C'est quoi ? Attends, redis les noms. Darmux Frontier. Darmux, ça ne dit rien. Ça serait pas au sud ? Voilà. Ça serait trucs pas que les. J'ai réclamé dans le sud par hasard. Darmuk Frontier. Bontargis. Citadelle. C'est que des planètes, de toute façon. Et Carbaz Landing. Voilà. Est-ce qu'on aurait oublié des planètes à quelque part ? Pagol, on a. Ah, mais. Ah oui, attends, ça c'est. Il te dit quoi là ? C'est dans le traité de paix, c'est ce que l'agresseur à première vue, planète, l'Empire de Tonagon, lui donne 3 trucs. Ça fait donc ça, non, ça c'est ce que tu récupères dans l'agresseur. D'accord. Donc toi tu récupères systèmes, ces planètes. Donc c'est Alfega, Pagol, Rotanef et 5 autres encore. Ok, ouais, donc ça c'est les planètes que tu gagnes. Ok, en tant que en statu quo. Ok, et en défenseur il y a quoi écrit ? En défenseur il y a rien. Y a rien, ouais voilà, donc là c'est bon. Enfin, en défenseur c'est ce que lui il récupère ou qu'il gagne, tu vois. Ouais, mais il manque Baxol, Rebellion, Vortex et Greykill. Ah, est-ce à que tu les as revendiqués dans les 5 autres, mais ce problème c'est que... Ils sont dans les 5 autres. Ils sont dans les 5 autres, c'est sûr, parce que quand tu fais une statu quo, donc c'est par rapport au territoire que tu as. Ok, actuellement en guerre. Ouais, mais ce qui veut dire que je suis lâche d'Aloga Spring. Le seul truc que t'auras pas là, c'est Boxam. Parce que oui, t'as pas ça. Fait la planète. Y'a que Boxam que j'aurai pas. Et je le veux, donc c'est refusé. Mais. Ouais, et surtout que moi je dois déclarer la guerre, la paix avant pour que tu récupères de l'égard. Exactement. Donc je refuse son statu quo. Okay. Et on va aller se balader avec tout ça. Moi je suis en direction de Boxam. Mes armées, je les ai déjà envoyées vers là-bas. Ok. Ouais, Boxam. Ouais, j'envoie Mega aussi. T'as commencé à bombarder. Elle est pas complète, mais c'est pas grave. On va l'envoyer quand même. On va envoyer les 4 mecs que j'ai quand même. Et je pense que on va devoir attendre un très long moment avant de débarquer nos troupes. Hein. Ah oui, parce qu'il faut bombarder un max. Ouais, bombarder un max parce que t'as vu ce qu'il nous a fait en dégâts avec beaucoup moins de troupes. Donc là, il faut bombarder au moins jusqu'il soit au moins dans les 300-400. Ouais, mais je ramène une deuxième flotte en fait. Je ramène pas la première flotte. Ça sert à rien. Tu peux pas bombarder avec deux flottes. En fait, le problème c'est qu'il a des. Ouais, il a une forteresse. Donc, Oui, mais c'est pas grave, je veux dire, je ramène la première flotte parce qu'elle est plus puissante que celle qui est déjà sur Baxom. Ah, ouais, mais il a deux forteresses. Ah, ouais, non, mais c'est un mec tout en armée de la tête aux pieds. Ouais, il a fond armé quoi, c'est ça le truc. Toi, sans flotte, tu peux quand même te défendre, tu vois, d'un côté. Et là, il est en PLS cosmique. Tu sais quoi, je vais aller un peu le faire chier.
Alors notre pote, il est en guerre contre lui aussi, hein. Après, tu me dis, hein, si tu veux que moi je te donne. Là, je t'accompagne avec une petite flotte, tu me dis si tu veux que j'aille attaquer du. Ce qui serait bien, c'est que tu revendiques le nord, et qu'avec une armée. Parce qu'il a pas de planète, c'est juste la conquête de station. Enfin, il y a même pas de station en fait, c'est de la merde, hein. C'est... Je te dis, là, j'attends que la première garde arrive pour bombarder à la place de l'autre, qui est à 5005 de puissance, mais donc un peu moins puissante que la première flotte. Que la première garde. La première garde va le relever la deuxième garde. Et je gagnerai plus de temps à directement prendre la première garde et aller tabasser tout le nord. Ah, il me faudrait presque deux flottes. Ah, mais voilà. Mais c'est bien sûr. Vous avez dit bien sûr? Ouais, j'ai dit bien sûr, ouais. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, alors, c'est ça. Hop, ça vient par là, s'il vous plaît. 4, 8, 12, 16. La première garde va directement descendre sur Ikam. J'envoie direct la première flotte sur Ikam, là. Pour prendre un avant-poste sud. Et je suis en train de réunir la première expeditionary crew, là. Je la renvoie sur Ziris pour fusionner avec la flotte qui est en construction là-bas. Et je vais l'envoyer prendre tout le nord. Voilà. C'est le projet. Moi j'ai ma deuxième armée qui finit. Donc j'ai mon armée de 16 000 et j'ai encore mon armée là de presque 20 000. Enfin la construction. Donc je suis quasiment supérieur sur tout le monde là dans les trucs. Je les éclate. Par contre je veux juste... Ah putain ouais c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir la puissance de mecs des hordes là. La horde, je sais plus quoi là, je voulais voir combien. Ah voilà, parnière de maraudeur. Ah, on peut pas voir. On peut pas voir la puissance. Donc là, il me reste, d'après ce que je comprends, 698 jours avant d'être obligé d'accepter une paix forcée. Dès que lui atteindra les 100%, ce sera une paix directe. Ok. Bah, va falloir se bouger le cul et assez vite, hein. Donc, quand tu veux. Ok. Hop. Sur la technologie des citadelles. Je fusionne mes deux flottes. Deux flottes de troupes. Voilà. J'ai 580 à envoyer au sol. Il y a combien là-dessus? 960. Il y a 960. Ouais. Et moi j'ai que 300. Mon armée, j'avais 1300. Mais du coup, j'ai plus que 356 à force. Se montrer un peu patient. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est mieux de jouer comme ça. Parce que là, nous, on est à quoi là? 500 et 300, on est à 800. Il faut qu'on attende qu'il tombe au moins à 800 pour commencer à essayer d'engager au sol. Et encore, ça va être chaud. Donc, on va patienter tranquillement. Non, je vais aller là. Nous allier là. Et entre dans l'orbite de ce machin si tu veux. Tant que tu vas dans la bonne orbite de trucs, ça me va. Oui, c'est bon. Ok. Donc ça et ça.
fusionner ensemble, s'il vous plaît. Est-ce que Ziris produit encore? Ouais, Ziris produit encore et encore et encore. Elle bourre comme jamais. Et donc là, j'ai 5,6k. C'est pas mal. On va là-bas. On va attaquer là-haut. C'est parti. Je viens de prendre Ikam si tu peux avancer. Tu viens de prendre Ikam? Oui. Au sud de Greykill, si tu veux avancer avec ta flotte. Ok, faudra que tu le revendiques, hein, sinon ça sert à rien. Je sais plus. Si là, je peux te laisser aller seul, hein, en fait, hein. Personne. Ikam, c'est. Ikam, c'est déjà revendiqué. Hein. Y a pas d'embrouille. Ikam, tu vas pas revendiquer. Si, Ikam, Ah non, je peux l'ajouter maintenant. Ah, vaut mieux le prendre et le revendiquer après, en fait, à première vue. Hein. Ouais. C'est moins cher. Donc les revendications me coûtent extrêmement cher. À ce moment. Ah bah oui, ça coûte 150, 100, 150 hein, d'influence les revendications. Et avec les traités politiques que j'avais fait dernièrement, ça m'a quand même bouffé un paquet. Parce que ça a l'air de rien, mais tu sais, l'extension des mondes. L'extension des mondes, ça te bouffe 200 d'influence hein, pour gagner une tuile. Hein. Ça met d'accord. Hein. Ça met d'accord tout de suite, quoi. Ah. 68 de plus. Allez, ça vient là. Je me renvoie 86 de puissance, 3 mecs au sol en plus à Baxom. Premier cuirassé créé dans 20 jours. Mon premier cuirassé. Ah ça y est, t'es au cuirassé. Ouais, là je viens de créer mon premier là. Boum! Ça met son temps, ça met son temps. Donc je crée encore un destroyer et un croiseur. Amiral acquiert un trait. Très bien. Félicitations, Amiral. Ah, solde négatif pour la thune. Très bien. Formidable. Enfin. On avait trop de fric. Ça me va. Ça me va très bien. Y a pas de soucis. Oh, ah oui, bah oui, c'est normal, je livre bataille. Tout à fait. Tout à fait, nous sommes des pros de la guerre. Et ça n'a pas duré longtemps, c'était très bien. Excellent, excellent. Ouais, je crois que c'est ça qui me manque dans mes revendications. Ouais. Ils sont tous en pathétique. Quand je regarde. Ah non, il y en a un équivalent, impérialiste. Ah, il y en a deux en équivalent là. Sur Baxom, ça crève un peu, ça se passe comment là? Parce que nous on s'emmerde là dans l'espace. Hein. On attend que ça meure, on attend que ça meure. Hein.
Alors maintenant, on est officiellement plus puissant qu'eux. Voilà. C'est officiel. En termes de troupes au sol. Construction complete. Puissant. Oui, alors faut d'abord que j'aille prendre ce que j'ai revendiqué. Hein. Ouais, ouais, c'est bon, ça c'est fait. Ça, il manque 94 pour revendiquer cette zone. Ouais, bâtard. Petit bâtard, va. Ah, j'ai débloqué l'académie militaire. Enfin. 262 jours. Oh là 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 là. Putain, moi par contre, je gagne plus de cailloux. Je gagne 36 cailloux, quoi. Parce que le matière de la flotte, je suis avec de flotte. 61 aussi, hein. C'est. Ça douille, hein. Construction complete. T'as grandi ta feuille, flotte, ouais. Ça douille, hein. J'ai d'ailleurs un joli morceau de flotte là, tiens. Si on envoyait ce joli morceau de flotte ici, ça dépannerait bien des collègues. T'es en train de faire le taf au sud en plus. Ah bah là, je suis en train de le dépouiller. Et mais pas pour rien, parce que en plus j'avais revendiqué quelques conneries au sud quand j'avais un peu de pognon. Donc si je regarde mes revendications dans le sud, ça donne quoi? Ça donne qu'il faut que je lui défonce Arabut et que je lui remonte sur Rul, Dradim et Tuban. Voilà. Pogma, tu l'as pas revendiqué au nord, en tête de territoire. Mais regarde, mon pote Jazz. Il est en train de le niquer par le sud, là. Il est en train de faire le taf, hein. Ah ouais. Et puis à droite aussi. Mais regarde au sud, j'avais pas vu. Il est déjà pris tout le bazar, là, au sud. Est-ce qu'il a pris la capitale ou pas? Oui, il a capturé la capitale. Il a capturé la capitale. Ah ouais. Ouais. Et tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une lassitude de guerre générale. Parce que là, en vrai, on est trois nations en train de lui poutrer la face, quoi. Et ouais, surtout qu'il a une grosse armée de 12 000, là, bientôt dans ses... Enfin, qui est complètement dans ses terres à droite, mais il va crever, hein. Faudrait que tu... Pogma. Au nord de Guram. Tu l'as pas revendiqué, ça va te faire un trou. Oui, je sais, mais j'attends le pognon, en fait. Hein. 80, la revendication du bazar, hein. Il manque encore 80 $, hein. C'est 140, hein. Je suis qu'à 62. Je gagne plus 1, alors je vais dire. Ouais, je suis à plus 4 quand même, hein. Ah ouais, toi c'est bon. Bah, bref, moi j'ai tellement agrandi que... Eh ouais, ça aide pas. Enfin, je veux dire, je suis au taquet, hein. J'ai deux flottes, je suis à plus de 30 000 d'armée. Je suis bien, quoi. Ah ouais, je te crois, hein. Ouais, t'es confort quand même, faut pas déconner. Mais... Ouais, je suis... Alors là, j'ai des accords de porte. Putain, ouais. Des accords de porte. Oh, une plateforme, quoi. Oh! Mining Corps, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vaisseau extraction opérateur. Oh, y a une puissante flotte de pirates là. Chez lui. Attends. Tout au nord à Tirsonia. J'ai l'impression que c'est des pirates. Ça, je les vois pas. Tirsonia, c'est au nord de Pagol, tout ça, un peu à l'ouest. C'est là où est à peu près où se trouve ma flotte. Ça a quitté son secteur d'ailleurs. Genre, ça lui appartenait, mais c'était avant. C'est une planète tropicale, ça. C'est une planète tropicale. Et c'est mes planètes, ça, tropicales. Tropicale, c'est mon truc. Oh, il y a une planète tropicale au nord de chez lui, qui est même plus dans son empire, fils de... Restons calmes. Il descend l'autre, hein. Regarde là, juste... Regarde la horde. Attends, il faut que j'aille... Alors, c'est où? La horde arrive. Ici. Spatioport. Vaisseau colonial tout de suite. C'est plus. Alors, dans le sud, tu me dis, hein, il en peut plus, c'est ça, il est en PLS, c'est la PLS cosmique. Ah bah oui, dans le sud, il est... Ouais, bon, dans le nord au-dessus, de toute façon, dans le nord aussi, il est perdu de recherche, en vrai. Hein. Alors... Alors, ce que je te propose, un choix stratégique, c'est que tu t'arrêtes de conquérir des territoires à... Axil, alors j'arrive pas à le prononcer. C'est... Tu vois ton armée? Laquelle? Du sud. Tu es en train de faire le taf. Tu viens de prendre un système. Tu montes deux fois et t'as Axil. Oui. Arrête, oui, je vais pas plus loin parce qu'après c'est revendiqué par mon pote Jazz. Ouais, et même t'as l'autre qui arrive là au nord. Alors vaut mieux qu'il passe par ton allié d'abord.
Ouais, avant de passer par le chemin. Par toi, tu vois. Construction complete. Mais là, tu vas te faire un sacré territoire. Hein. Plus. C'est pas mal. Mais ça, c'est s'il est pas. S'il m'impose pas une paix. Ah ben voilà. Ça vient de se faire. De quoi ? Paix imposée ? Ouais, bah c'était obligé d'arriver à. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Ici. Fils de pute ! Bon, t'auras un gros territoire déjà. La prochaine guerre, il est mort. Hein. Il est pas trop mal. Dans 10 ans. Oula. Soumission de la unifiée Corinth Trips. je l'avais dit ou pas. Ah bah, c'est sûr. Voilà. Ah bah, donc l'autre là, il vient de l'absorber. Je pense que les Berserkers vont suivre juste derrière là. Tu mets la carte diplomatique et tu cliques sur juste un Horde et tu comprends maintenant. La taille de son empire maintenant. Par contre, du coup, vu qu'on est en paix blanche forcée, moi je vais aller voir ce qui se passe à Teresonium, machin là. Zone bizarre là. Teresonium, ouais. Ouais, une petite planète tropicale de taille 8. Voilà. Ah, un. Ah, ouais, actif. T'as pas accès. De taille 8, c'est ridicule, taille 8. Bah, je suis en paix blanche. Ouais, je vais voir ce qui se passe là-bas, toi. Putain, quand la horde va débarquer, mon pote. Ah, oui, du coup, j'ai 9 sur cette planète. C'est vrai que c'est le bordel, du coup. C'est vrai que c'est le gros bordel. Malus dans tout l'empire, ça devient un film de boule. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Comment ça, y a rien à faire? Ah oui, ici c'est pas aménagé. C'est rigolo ça. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah, il faut que j'aille voir l'artiste. L'artiste. L'enclave des Nars. Communiquer avec l'enclave des Nars. Les mecs aiment bien taxer du pognon toute la journée. Ça met un temps là. Est-ce que je remets en très rapide ou pas? Non. Pause même. Ancien centre de traitement à la fin a récupéré une présente importante d'anciens drones miniers dans le système de Tersonia. Cela semble être un centre de traitement des minerais et minéraux de toute. Première importance, sans doute le dernier de la sorte dans la galaxie. Sans doute ça. Ok, alors moi je voudrais leur commander une œuvre d'art. Malheureusement, nous n'en avons pas pour l'instant. Fils de 1, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui. Ah, d'accord. Donc combat, c'est ça? Ah, donc combat, d'accord. Donc combat ici, ok, c'est validé. Alors ça va arriver, un instant. Après la pub, tous ces bâtiments là peuvent être améliorés. C'est quoi ce bâtiment? Labo de physique. Oui, ça fait plaisir, vas-y. Améliore un labo de physique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, améliore tout. On verra ce que je remplacerai plus tard. On a des minéraux, on paye. Y a pas de problème. On déblaye ça. Et on déblaye ça. Voilà. Ici, vas-y, améliore. On déblaye. Et on déblaye. Très bien. Dans les populations inoccupées, ici du coup, qu'est-ce qu'on peut construire qui va m'être utile? J'ai déjà construit le dôme. Ah ben non, j'ai un monument ici. Très bien, regardez, hop là. Petit monument là, je l'avais pas vu. Balance le petit monument. Et puis toi ici, tu vas construire un réseau mini. Hein. Faut que je fasse un truc pour les factions là, je gagne plus assez d'influence. Putain, j'ai 1, c'est rien. Ah. Bienvenue au club. Donc ça c'est fait, populations qui ne sont pas occupées ici. Oui, mais c'est pas les miennes. C'est des connards, ils sont en cours de d'élimination de la population locale. C'est normal, pas de problème. Pas de problème. C'est bon, tu peux nous remettre en avance rapide si tu le souhaites. Ah oui, nous on a un combat, regardez. Combat.
qui sera d'ailleurs le dernier combat de la vidéo, hein. Fin de la guerre, tout ça, tout ça. Après, c'est fini. Hein. Regarde juste si je me fais pouiller. Non, bah, tu vas te faire pouiller. Ah, quoi que, je sais pas. Si, si. Je te trouve extrêmement formel, hein. Je sais pas trop. Disons que c'est chaud, hein. Mais ça peut le faire, hein. Mais toi, t'as des croiseurs, quoi. C'est ça, et je me tape contre du drone pour l'instant. Contre de l'ancien drone minier. Alors ceci dit, ils ont l'air de tenir un peu quand même, hein, mais... T'as pas un bonus de dégâts en plus contre eux? Je sais pas du tout. Moi j'ai pris tout ce qui était bonus offensif, bon voilà, il en reste plus qu'un. Bon, les dégâts, de la... dégâts des blindages, tu les défonces. Hein. Même la coque. Hein. Ah oui, bah je vois ça. Pas de bouclier. Ils ont pas de bouclier déjà, ça c'est bien. Moi je vois ce qu'ils me mettent comme dégâts, je vois ce que je leur mets. En fait ils font quasiment aucun dégât à part à mes boucliers quoi. Ah, parce que t'en as. Ils en ont pas. C'est ça, ils ont pas de bouclier donc bon, voilà. Nouveau trait, hein, vous l'avez ouvert en deux, officiel. Youpi, yata, bravo. Proposition de la, pacte de non-agression hein. Avec la 70. Tu trompes du cul, Jack. Non mais non mais c'est bon. Bah il faut me détruire ça s'il vous plaît. Truc là, 2006 de puissance là. Oh, non. Ah c'est bon, c'est ce qu'il fallait faire. Combattez, combattez, j'ai rien dit. Vous faites la guerre à ce machin. Alors officiellement je perds contre cette base d'ailleurs. C'est officiel. J'aurais peut-être pu attendre que les boucliers de méga se rechargent, hein, ceci dit, hein, si j'avais été un peu moins con. Super stylé comme combat en tout cas. Super stylé. C'est une belle station ça déjà. Ah elle est jolie hein. Elle est magnifique. Mais ce n'était pas Klingon. Il te reste un truc à bête. Richesse incommensurable. Alors, fais pause s'il te plaît. Ok, j'ai compris. Pause. Alors, j'ai gagné un peu de pognon, figure-toi. Il faut que je dépense tout de suite avant de valider en fait, parce que ça va faire exploser mon quota de fric. Donc, il faut que je dépense cet argent. Il faut que je dépense cet argent. Comment je vais dépenser cet argent? Là, les bases qui servent à rien, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, si je te mettais genre. C'est beaucoup d'entretien toutes ces conneries. Ah ouais quand même hein. Attends, je mets des ancrages partout. Je mets encore plus d'ancrage. Encore plus d'ancrage. Ouais, on va faire du full ancrage. Allez. Ouais, attends, là, Ok, ça c'est fait. Ensuite, toutes mes flottes, vous revenez à maison. Non, pas elle, justement. Et la première expéditionnaire non plus. 4006 si je les accepte. Ah, bah non, plus 12 000. Ah, oui, non, il faut vraiment que je vide le fric, quoi. Vider le fric. Vider le fric. Comment on va vider le pognon? C'est incroyable, genre j'arrive même. Je ne serais pas capable de vider mon argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arrêtez ça tout de suite, personne n'y croit. Voilà. Celle de Chronos. Voilà. Kyriok. Elle avait pas une seule truc. Voilà, c'est bon. Voilà, richesse incommensurable, c'était très bien. On est à 12 000, c'est. Bah vas-y, infini. Voilà, ton truc là. Très bien. Très bien, je clique sur mon vaisseau scientifique pour l'envoyer ici parce qu'à première vue il y a un petit projo. Ah mais il est déjà occupé ce con, il est où? Ça t'a fait quoi alors quand tu les as pétés? Je viens de gagner 12 500 ou 12 900 minéraux. Ça va, c'est raisonnable. Bah disons que ça m'a permis de tout améliorer. C'est très bien. Tu m'étonnes. Très bonne idée. Tu peux te remettre donc en avance rapide si tu le souhaites. Je vais juste checker si j'ai toujours pas mon vaisseau colon. Il est en production, je ne sais où. Mais il est en production quelque part, je te jure. Mais je te crois. Il est en production. Ah, on rentre cana, machin.
Ok. Moi je suis content, j'ai pu monter mes commandants, flotte de commandement à 150. Ah oui, mais je peux pas coloniser en fait mes conneries là. Même si je voulais en fait. Je ne peux pas. Je voulais prendre la planète tropicale là-haut, mais je peux pas la prendre. Puisque ce n'est pas collé à mon empire. Si j'ai pas d'hyperligne en commun avec mon empire, je ne peux pas. Ce qui oh non, incoming transmission. Tu veux me donner un cristal contre une poussière. Refusé, ça ne m'intéresse pas. Garde ta poussière de tes toilettes, connard. J'ai mon scientifique là, c'est des autres là, que j'avais acheté qui est mort. Ah, du coup faut payer. Vas-y Coco, Coco paye un peu. Et tu payes Coco. Station de mineur, station de recherche, je commence par les stations de recherche, pas de problème. Et donc bah moi j'attends effectivement donc le vaisseau colon. Il faut que je commence à réunir mes flottes aussi un peu là, parce que c'est un peu le bordel. Ça voyage, ça voyage, ça voyage, tout le monde voyage. Sauf elle qui est déjà Ziris normalement. Ah non, elle est à Baxom. D'accord. Genre elle attend tranquillement à Baxom. Tu reviens Ziris. Tout le monde revient Ziris à... Ziris, on appelle ça le quartier dans le milieu. Voilà. Vous revenez tous ici. Voilà. Et vous fusionnerez ensemble. Et on vous mettra en stationnement. Première avant-garde qui est toujours dans sa guerre interminable à Cheleb. Et comment se porte la recherche? 4 mois, dans 4 mois nous avons fini le laser gamma. Debris analyzed. Ah, on a analysé les débris, très bien. Construction complete. Encore une nouvelle proposition, un capteur actif contre lien de capteur actif. C'est quoi? Si tu veux, tiens, c'est pour mon pote Jazz. C'est mon pote Jazz. Vous avez vu, je me suis intéressé aux gens 2 fois d'affilée dans la vidéo. C'est incroyable, hein. J'ai quand même répondu à des gens et tout. C'est ouf, d'habitude les traiter. Quoi, qui est traité? Je vois pas de quoi tu parles. Habituellement. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah non, 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 mais toi aussi tu reviens là. En fait, y a pas besoin. Tu t'embrouilles pour rien, mec. Casse-toi. Sors de là. Ne fais pas ça, Jack. Je t'en supplie. Vaisseau colonial. Très bien. Vaisseau colonial, je crois que la première planète qui va crever, c'est Pagol, je crois. Ah mais c'est en train d'auto-coloniser. Construction. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai pas besoin de mon vaisseau colonial. C'est une blague. Je pensais pas qu'on pouvait auto-coloniser. Non, non, mais... Attends, la dernière fois, j'ai pas autocolonisé, les mecs sont morts d'abord. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ships upgraded. Ah, ici, c'est bien en train de crever parce que... De l'énergie. On ne sait pas, mais dans le doute. Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'un vaisseau colonial, debris, de l'argent. Donc, on démonte. On verra après. Nouvelle recherche, ça très bien. 6 ou 8 d'énergie. Test d'exploration plus 33%. Alors, je trouve ça un peu très nul à chier. C'est il y a que moi ou pas? Genre c'est en violet. Ah, regardez, vitesse d'exploration plus 33%. Ouais, bon. À la fin du jeu, plus 33%, j'ai envie de te dire, on s'en fout quoi. Pas qu'on t'aime pas, mais. Enfin, on t'aime pas, mais on s'en fout aussi. En plus. Bah mon boobies, tu fais des boobies aux gens? Ouais, bah boobies, boobies, hein. Boobies. Des bisous, et puis bah, on vous dit à la prochaine. Ouais. Ciao.